Donc, vous allez faire la connaissance de Nathalie Husquin, qui est responsable de projet de la collection La Traversée, une collection de romans pour adultes. Et tous les adultes, avec tous les critères du facile à lire que vous avez pu voir ce matin, et qui est publié aux éditions, alors je ne sais pas si je dis bien, Weyrich. C'est Weyrich, Weyrich, très bien. Weyrich, Merci. oui. Nathalie va vous présenter donc cette collection et bien sûr tout le travail qui est fait autour et tous les enjeux que cette collection suppose. Et collection pour les bibliothèques qui sont du réseau de Seine-Maritime que vous trouverez dès à présent dans notre kit et notre dispositif de facile à lire qui va circuler dans les différentes bibliothèques. Merci. Voilà. Peut-être aussi une petite précision mais par rapport, peut-être que vous avez entendu dire, mais ça c'est plus une petite info pratique avant de rentrer dans le débat, que bah, notre coéditeur, enfin l'éditeur avec lequel nous travaillons, Weyrich Édition, avait été victime d'un incendie voici quelques semaines, donc tout le stock avait brûlé. Mais il faut savoir que les romans sont déjà en cours de réimpression et qu'il est déjà possible de recontacter le riche par rapport à la traversée à partir du 20 avril. Donc là, je pense que c'était peut-être une petite précision qui était Oui. intéressante à faire. Mais donc voilà, Oui, c'était juste en effectivement. parenthèse pour commencer. Donc moi je m'appelle Nathalie Bousquin, donc, et je suis chargée de projet au sein de Lire, Écrire Luxembourg. Et donc, spécifiquement pour le projet de la collection La Traversée. Mais je me disais que ce serait peut-être intéressant, comme on n'est pas beaucoup, que chacune d'entre vous peut-être se présente, mais en 2-3 minutes, en quelques secondes. Comme ça, moi, je sais un petit peu ben, voilà, qui j'ai devant moi. Et j'aimerais aussi que ben, quand vous avez une question ou une envie, ou, vous n'hésitiez pas à la poser, parce que l'idée, c'est vraiment un échange. Donc, moi, j'ai essayé que ça permette l'échange et le débat. Donc voilà, si ça ne vous dérange pas, voilà, ce serait chouette que chacun d'entre vous puisse se présenter. Et une petite D'ailleurs, précision. Ah, pardon. Oui, Non, j'allais Stéphane. juste rebondir sur les personnes qui ont des questions. Vous avez en bas de votre écran levé la main. Donc, vous cliquez dessus, comme ça on saura qui a une Oui. question. Et voilà, pour éviter de se couper la parole, comme on vient de le faire. Voilà, oui. Voilà, et de bien éteindre son micro lorsqu'on ne prend pas la parole aussi, pour éviter les interférences et les bruits. Voilà. Merci. Je ne sais pas qui veut commencer. Du coup, pour oui, voilà, pour le tour de présentation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes personnes à l'écran, mais Non, voilà, c'est ça. si vous voulez, moi je peux prendre la liste et Oui, puis juste pour voilà, j'ai avoir la une liste. idée, voilà, de Voilà, donc qui alors vous si je voulez, commence vous dans dites. l'ordre, j'ai Aurélie Catelin. D'accord. Si elle peut se présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, je travaille à la bibliothèque Oscar Némeyer au Havre. Je suis coordinatrice des actions de médiation et je travaille plus particulièrement avec des publics fragiles, handicap, éloignés de la lecture, en déscolarisation, enfin voilà. Donc c'est un public cible avec lequel je travaille. Merci. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai Charline Jardin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Oui. Bonjour. Alors, je suis en service civique à la médiathèque de Louviers et je travaille sur le projet Facile à lire qu'on essaye de mettre en place à la médiathèque. Ok, merci. Alors ensuite, j'ai Nati B. Oui, bonjour. En fait, c'est Bonjour. Nathalie Mologlou. Donc, je travaille sur le réseau des médiathèques de Cosenaglo, plus particulièrement à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Gravenchon. Et je suis coordinatrice de toutes les actions hors les murs. Donc, tout ce que nous menons à l'extérieur. Donc, je suis confrontée à des publics qui, justement, ne viennent pas dans la médiathèque. Et on a tellement bien travaillé en hors les murs qu'aujourd'hui, ils ont envie de venir nous voir dans les médiathèques. Et que je m'aperçois qu'on n'est pas du tout organisé en fait pour les recevoir, puisque quand on part, on emmène des collections adaptées, mais en interne,
finalement, on n'a pas mis grand-chose en place. Donc, on a aussi une population étrangère sur le site qui vient travailler notamment sur la zone Céveso, puisque sur le secteur de Cossenaglo, on a une zone Céveso. Et on est aussi démunis sur ce qu'on peut leur proposer sans tomber dans des choses un peu enfantines. Donc, c'est pour ça que je fais la tenue aujourd'hui. Merci. Merci. Ensuite, j'ai Roxane Bunting-Guyon. Je prononce certainement très mal. Désolée. Bonjour, c'est Bunting-Lloyd. Je travaille à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher, près du Havre. Je suis médiatrice culturelle. Donc, on n'a pas d'espace facile à lire dans notre médiathèque, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait mettre en place, d'autant plus qu'à Gonfreville, on a des publics plutôt populaires, éloignés de la culture. Donc, c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler. Merci. Séverine Alazar. Bonjour. Alors, je suis enseignante et en même temps bénévole dans une petite bibliothèque à la Couture-Bousset dans le département de l'Eure. Et prochainement, on devrait changer de locaux et avoir effectivement des espaces plus grands. Et donc, nous sommes en train de réfléchir effectivement à l'aménagement de cette future médiathèque et pourquoi pas effectivement proposer aussi un espace dédié à des collections faciles à lire. Ok. Ensuite, Sophie Kerdélan. Oui, bonjour. Bonjour. Bénévole à la médiathèque de Fontaine-et-Toutfour, une petite commune près de Caen. Et nous travaillons avec ma responsable qui participe à un autre atelier au projet d'une collection facile à lire. Nous accueillons d'ores et déjà une fois par semaine, même si les collections sont un peu différentes, mais un groupe de personnes handicapées déficientes intellectuelles. Et ça se passe plutôt bien. Donc la participation à l'atelier va contribuer à obtenir plus d'informations. Merci. Et Sophie Véron, votre micro n'est pas allumé. Oui, bonjour. Je suis responsable de la bibliothèque de Bretteville-sur-Ozon, une petite commune aussi à côté de Caen, et nous n'avons pas d'espace facile à lire. Et moi, je l'ai côtoyé plusieurs fois quand je suis allée à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, donc je voulais en savoir un peu plus. Voilà. Ok, ben on a fait le tour. Normalement, j'ai oublié personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier échange. Je vais commencer à vous présenter peut-être aussi, on trouve que c'est important de vous parler de la jeunesse du projet. Parce que d'une certaine manière, la collection La Traversée, ce n'est pas une collection comme les autres, parce qu'en fait, elle est née non pas chez un éditeur, mais au sein d'une SBL qui s'appelle Lire, Écrire Luxembourg. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la SBL, mais peut-être pour celles qui ne connaissent pas, donc la SBL Lire, Écrire Luxembourg, donc nous sommes situés à Libramont, donc c'est dans le sud de la Belgique, dans la partie francophone. Et lire et écrire, le mouvement lire et écrire défend le droit à l'alphabétisation pour tous sur toute la partie francophone en Belgique. Et en fonction de la région, donc nous sommes un petit pays, mais il y a aussi des provinces, donc c'est des régions, il y a à chaque fois une régionale de lire et écrire qui fait partie du mouvement, mais qui peut défendre des projets propres. Et donc, Lire et Écrire Luxembourg défend, comme tous les autres Lire et Écrire, le droit à l'alphabétisation pour tous, mais c'est au sein de cette régionale qu'est né le projet de la collection La Traversée. Et ce qui fait la spécificité, c'est, donc le projet est né lors d'un événement qui s'appelle le Printemps de l'Alpha. C'est chaque année, tous les mouvements de Lire et Écrire se rassemblent dans une des régionales autour d'une thématique, une thématique qui est choisie. Et en 2010, l'événement Les Printemps de l'Alpha s'était déroulé ici à Libramont. Et le thème, c'était sur la littérature, la lecture, tout ce qu'on pouvait lire quand on était adulte, apprenant, qui essaye d'apprendre à lire et à écrire et à maîtriser les savoirs de base. Et ce qui était revenu, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel,
c'est que les personnes, donc les apprenants, étaient revenus vers les personnes dans les ateliers qui avaient été et les échanges qui avaient été mis en place. Ce qui était apparu, c'était que les apprenants avaient renvoyé aux animateurs, aux formateurs qui étaient là ce jour-là, l'idée du fait que quand eux apprenaient à lire, ils n'avaient pas, ou qu'ils avaient envie de lire, il n'y avait rien de spécialement pour eux. Donc, ils ont demandé des romans qui leur parlaient. Donc, ils voulaient des livres qui leur parlent. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait l'apprentissage de la lecture ou quand on est un adulte et qu'on apprend à lire et à écrire, ils devaient apprendre sur des livres, avec des livres pour enfants ou des livres pour adolescents. Donc, pas vraiment une littérature qui était adaptée pour eux. Et donc, là, tout le monde ensemble à ce moment-là s'est dit, tiens, réfléchissons à voir comment répondre à cette attente. Et donc, il y a eu un comité de réflexion qui s'est mis en place avec des apprenants, avec des formateurs, avec aussi donc, une haute école. On a aussi rassemblé des écrivains parce qu'on trouvait que c'était important aussi d'avoir leur point de vue, donc des libraires, un éditeur déjà, Olivier Riche finalement en l'occurrence. Donc, il y a eu vraiment tout un comité de réflexion et d'accompagnement qui est né. Et avec après 2 ans de réflexion, de travail, d'échange, au cours de ces échanges, à un moment donné, ils se sont dit, s'il y avait l'écriture d'un roman qui se mettait en place. Et après 2 ans de réflexion, il y a plusieurs écrivains qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et donc, le premier roman est né. Mais donc là, pour ça, je vais peut-être vous partager le petit PowerPoint. Comme ça, il y aura des petits illustrés. Est-ce que vous voyez ce que je partage? Je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde... Alors, voit... Ça a l'air de fonctionner, mais pour l'instant, on a un écran blanc. Ah, tiens, c'est bizarre. Je vais... Parce que j'étais en train d'ouvrir le PowerPoint. Et maintenant, je ne vous vois pas. Est-ce que vous me voyez? Oui. Ah voilà. Alors, je vais présenter. Je vais faire comme ça. Donc là. Et là, est-ce que vous voyez maintenant le PowerPoint que je partage? Vous voyez la traversée? Oui. Oui, oui, oui. Tout le monde voit bien? Voilà. Et donc, voilà, donc, le premier roman qui est paru, donc, s'appelle Sans dire un mot de Xavier Deutsch. Donc, ça a été le premier roman de la collection. Mais ce roman n'est pas né n'importe comment et de n'importe quelle façon. Et par rapport à tout ce qui est le processus de création, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est vraiment ce qui fait notre spécificité. Et donc, c'était pour dire qu'en fait, le projet était déjà né à la base d'une demande d'apprenants. Donc, c'est le public pour lequel les romans étaient destinés qui a demandé lui-même, donc qui a fait part de son besoin ou de son envie. Et c'est à partir de ce moment-là que le projet est né, en fait. Alors, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est qu'on puisse avoir un vrai échange. Et de ce fait-là, j'avais envie de vous amener, enfin, qu'on puisse réfléchir ensemble sur les outils, donc tous les romans que sont les romans de la collection. Et dans un premier temps, j'avais envie de partager avec vous plus les couvertures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de regarder. J'ai présenté donc parce qu'actuellement la collection compte 27 romans, mais j'ai sélectionné ici quelques couvertures au hasard. Je vais les laisser quelques secondes, le temps que vous les regardiez, et puis on va essayer de voir un petit peu. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc ça, c'est une couverture d'un roman. Donc en voici un deuxième. Un troisième. Voici le quatrième. Donc voilà, je vais les passer quelques secondes. Je vais vous demander de regarder un petit peu.
et de voir si, quand vous voyez cette couverture, s'il y a des choses qui vous frappent ou si vous constatez certaines choses dans la manière dont c'est mis en page ou de le graphisme qui est proposé. Donc je repasse un petit peu comme ça. Si je vais trop vite, il ne faut pas hésiter à me le dire. Est-ce que, Nathalie, est-ce que c'est possible de mettre les images en pleine page? Parce que là, on voit des slides sur la gauche. Ah oui, je vais essayer donc diaporama. Oui, à partir de la diapo actuelle, là, sur la gauche. Voilà. Enfin, à ma gauche, oui. Ça va comme ça? C'est mieux comme ça? Je pense qu'à mon avis, on doit voir un petit peu mieux, oui. Merci. Donc, je laisse un peu comme ça. Et puis, alors, je vous remontre les quatre couvertures. Elles ont été prises un peu au hasard. Hein, c'était pour montrer un petit peu aussi les différents genres. Donc voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ces quatre couvertures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ce qu'il y a, c'est que comme je suis en mode diaporama, je ne vois pas s'il y en a qui lèvent leurs mains ou qui ont envie de... Donc, si quelqu'un peut faire l'intermédiaire, ce serait bien. Oui, il y a Aurélie Catelin qui a levé la main. Oui. Oui, alors à première vue, on voit surtout que les lignes sont, le graphisme est très épuré, oui. Donc ça laisse, on voit que c'est un peu, épuré, et du coup on arrive à très bien lire le titre, mm-hmm. On voit que la quatrième de couverture, le résumé est assez court, donc j'imagine que c'est, moi je peux pas très bien voir... Je ne peux pas vraiment lire le texte, mais parce que c'est trop petit. Mmh. Mais j'imagine que c'est assez simplifié. Oui. Et alors, justement, vous parlez de résumé. Notre spécificité, mais c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour vous qui êtes chacun chez vous à voir, c'est que ce n'est pas un vrai résumé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avant que peut-être j'explique notre manière de faire qui ont envie de par rapport à ça? Oui. Séverine Alazard, oui, qui a levé la main. Oui, j'ai noté dans les couvertures un rapport au concret, au réel, au quotidien aussi. Oui. On n'est pas tous sur des couvertures qui ont recours à de l'abstrait, par exemple, avec de l'implicite, là, c'est explicite. Oui, voilà. Ça, c'est déjà une des caractéristiques. C'est vraiment que la couverture doit être la plus concrète possible. Et je vous donnerai quelques exemples, mais il faut savoir aussi que ces couvertures, elles ont été élaborées au fil des ans et au fil des réflexions, mais on utilise aussi toujours la même typographie, c'est la Taoma 14, parce que en travaillant avec les apprenants, puisque évidemment tout le projet a été monté aussi avec des professionnels du monde de l'édition, de l'écriture, de la littérature, mais également on avait chaque fois un travail avec les apprenants qui donnaient leur point de vue et qui pouvaient nous dire aussi ce qui était plus lisible pour eux, comment ils voyaient, comment ils envisageaient les choses. Et c'est de travailler à chaque fois aussi de la même manière. Chaque fois qu'un roman sort, on leur soumet le titre et le quatrième de couverture également. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre volonté, c'est que la couverture que vous voyez ici, ça fasse un ensemble, à la fois le titre, la photo et le petit texte qu'on met en quatrième de couverture, qui est plutôt un extrait du roman et pas un résumé. Ça doit permettre de donner l'univers général du roman. Donc, c'est vraiment ça qui nous importe. On va accorder un soin tout particulier au choix de l'extrait, au choix du titre, et la photo, comme on la voit ici, elle va toujours être, donc on va toujours proposer plusieurs exemples de photos. Ces photos vont être sélectionnées par les apprenants et on constate en effet que les apprenants choisissent majoritairement des photos très concrètes. Et ici, donc, si vous voyez la une de « Nous serons heureux » de Luc Baba, à la base, l'auteur avait envie de partager, puisque c'est un roman qui parle de la poésie, il y a des poèmes dans ce roman, donc, et alors un des personnages
comment se passionne pour la poésie à un moment donné du récit, eh bien, notre réflexe premier, ça aurait été de mettre quelque chose de très poétique en une, donc c'est-à-dire on imaginait un roman avec, en pleine nature, enfin voilà, on avait sélectionné quelques photos comme ça, et puis on avait sélectionné cette photo concrète, et l'auteur lui-même nous avait donné des photos vraiment très poétiques. Quand on a proposé aux apprenants qui avaient effectué le travail de relecture critique, dont je parlerai tout à l'heure, pour voir un petit peu comment ils voyaient l'illustration de la couverture, ils ont rejeté automatiquement toutes les photos très poétiques pour vraiment finalement choisir cette photo qui est très concrète et qui montre, parce qu'à un moment donné dans le récit, le personnage qui se passionne pour la poésie écrit, eh bien, ils ont voulu sélectionner cette photo. Donc, on peut dire donc que voilà, quand on présente un roman de la collection, le premier regard qu'on jette sur la couverture et que les apprenants doivent pouvoir, pour qu'ils puissent comprendre et aller directement dans le récit, mais il faut que ce soit vraiment très concret, très précis, que ce soit vraiment très épuré, comme vous avez dit, et que l'image reflète quelque chose de vraiment très concret. Et là, on peut le voir aussi, ben voilà, le monde de Nestor, eh bien, c'est un monsieur qui fait une blague, enfin, qui fait des blagues dans le village. Eh bien, là aussi, ils ont préféré choisir un des petits moments du roman, mais qui était très concret pour pouvoir illustrer le roman. Après ta mort, toute l'histoire tourne aussi autour d'un canapé blanc. Eh bien, ils ont préféré choisir un canapé blanc, pardon, pour illustrer le roman. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect graphique et tout ce qui parle des couvertures. Alors ces photos, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de réagir par rapport à ça, si vous savez me dire. Non, pas d'autres personnes, mais du coup j'en profite pour dire pour les personnes qui ont déjà pris la parole, vous pouvez décocher, lever la main, parce qu'en fait ça reste affiché. Merci. D'accord. Et est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est vrai que là je parle, mais ça va? Vous entendez bien? Oui, ça va. Voilà. Alors un petit exemple aussi de ce qui peut être fait au niveau de notre collection, c'est qu'il arrive qu'à certains moments, ce soit même les apprenants qui prennent eux-mêmes la photo. Ça a été le cas ici pour le livre Gros. Donc, la majorité de l'histoire en filigrane se déroule à Virton, donc c'est en Gaume, ici en Belgique. Et alors, les apprenants qui avaient effectué les relectures critiques, certains apprenants se sont dit, tiens, on pourrait proposer nous-mêmes aussi une photo qu'on aurait envie pour illustrer le roman. Et donc, ils ont imaginé l'endroit où ce serait le plus pertinent de prendre la photo. Et comme à un moment donné du récit, donc à un moment donné clé du roman, le héros se retrouve à la gare de Virton. Ils se sont dit, allons prendre une photo de la gare. Et on a soumis cette photo à d'autres groupes d'apprenants. Et donc, c'est finalement cette photo-là qui a été sélectionnée. Donc, voilà un petit peu de quelle manière on travaille pour réaliser les couvertures. Je propose maintenant qu'on puisse peut-être se pencher un petit peu plus sur l'intérieur du roman. Je vais faire un peu la même manière que pour les couvertures. Je vais vous montrer, donc j'ai choisi volontairement quelques chapitres de plusieurs romans. Et vous allez regarder aussi un peu et on va faire un peu le point pour voir s'il y a déjà quelques éléments qui pourraient avoir attiré votre attention. Donc ça ici, c'est un extrait des Cerises de Salomon de Claude Roussy. Là, c'est Les Chapeaux Rouges de Jean Genet. Et donc, c'est chaque fois le chapitre dans son entièreté qui a été sélectionné. Là, c'est le duel de Salomé Milongo. Et là, c'est donc Nous serons heureux de Luc Baba. Comme ça, vous pouvez le raccrocher aussi à une couverture. Et je pense qu'après. Oui, ça, c'est après. Donc, voilà. Donc, je repasse dans l'autre sens. Et puis, on peut faire comme tout à l'heure. S'il y en a qui ont déjà remarqué certaines choses. Ils peuvent en faire état.
Donc voilà, ici je vous propose de travailler plus sur la mise en forme pour continuer par rapport à ce qu'on a fait sur les couvertures et le quatrième de couverture. Concernant la mise en forme pure, on va dire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez donc ces présentations de chapitres qui sont proposées dans les romans de la traversée? Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose à dire ou... Pas de réaction pour l'instant. Si, Séverine Alazard. Oui, bah, je note qu'on a un découpage peut-être en des paragraphes un peu plus courts peut-être pour qu'il y ait moins de fatigabilité sur la lecture et puis des marges qui sont assez étroites aussi par rapport à d'autres ouvrages. Oui, oui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on met en forme, on n'est pas en forme de manière, n'importe comment, ou bien de la même manière que d'autres romans. On va toujours veiller, et ça, c'est au niveau de l'écriture aussi, donc ça, c'est l'écrivain, mais ça, j'en parlerai par la suite. Donc, les chapitres seront toujours des chapitres courts. Donc, ils vont de 2 à 4, 5 pages maximum, mais donc, c'est toujours des chapitres très courts. Et quand on met en page, donc au moment où on fait la mise en page, où on organise la mise en page, on veille à ne pas avoir de césure à la fin de la ligne. Parce que ce qui est important quand on se retrouve face à des lecteurs adultes débutants, c'est de tout faire pour qu'ils se sentent en sécurité quand ils lisent le livre. Si le lecteur débutant se sent en sécurité, il continuera la lecture et il pourra toujours progresser jusqu'à aboutir jusqu'à la fin du roman et ça lui procurera aussi une certaine forme de satisfaction puisqu'il sera parvenu à lire un livre en entier. Et donc là, il y a un effet vraiment bénéfique sur les personnes qui parviennent. Ça, c'est un constat qu'on fait vraiment au quotidien dans notre travail de tous les jours. Quand une personne apprenante parvient à lire un livre jusqu'au bout, on constate que ça va même jusqu'à une forme de transformation identitaire parce que la personne elle est parvenue donc à lire un roman en entier et il y a quelque chose qui s'opère en elle. Et cette transformation est vraiment très, très importante parce que ça, on voit vraiment des transformations de personnes, des gens qui osent alors qu'avant, elles n'osaient pas. Et donc, pour permettre à ces personnes d'aller jusqu'au bout, il y a parfois certains petits... c'est très important alors de travailler sur la mise en forme du roman avec donc pas de césure, des petites phrases très courtes, je ne sais pas si vous savez le voir. On adapte aussi le vocabulaire. Quand il y a un mot compliqué, on va essayer de s'arranger avec l'écrivain pour que l'écrivain soit garde le mot, mais il veille à l'expliquer dans le roman. Mais seulement pour ce qui concerne la mise en forme, comme vous voyez, donc il y a pas de césure, c'est des petites phrases très courtes, et donc c'est assez aéré, donc d'une manière générale. Alors ce qu'on a fait aussi donc dans notre collection, c'est que dans certains cas, donc d'une certaine manière, on ne met pas d'image dans les romans. Il y a cependant jusqu'à présent, on va dire. Mais je vais peut-être d'abord... Oui, donc il y a une exception, c'est le silence de Cologne. Dans le silence de Cologne, c'est le seul roman de notre collection où il y a des illustrations. Et tout ça, c'est parce que quand on a travaillé le manuscrit avec l'auteur et les apprenants, on s'est rendu compte, donc en fait, le silence de Cologne, ça parle d'un conflit de religion entre les catholiques et les cathares, enfin un groupe de cathares. C'est un drame, mais on s'est rendu compte qu'un drame historique n'a pas toujours de résonance chez les apprenants. Et donc, ils ne parvenaient pas à se projeter mentalement sur cet épisode de l'histoire. Et pour faciliter la lecture, donc, on a donc décidé de demander à un illustrateur d'illustrer certains chapitres. Et donc, grâce à ce travail, ça permet et ça favorise... l'accès à la lecture de ce roman. Donc ça, c'est vraiment la seule exception jusqu'à présent. Ce n'est pas pour ça que ça n'existera plus, mais pour ce manuscrit bien précis et cette histoire bien précise, c'était important d'amener des illustrations dans le roman.
Il y a aussi, dans certains cas, donc je vous disais tout à l'heure, on a parfois, quand il y a des mots de vocabulaire difficiles, on demande à l'auteur de travailler donc ce mot, soit l'expliquant dans la phrase ou bien en le changeant. Mais on ne veut pas non plus, donc on a aussi la question des références culturelles. Ici, par exemple, dans La Mémée d'Edith de Wolder, il est question d'un peintre belge célèbre qui s'appelle Paul Delvaux. Notre volonté n'a pas été d'occulter Paul Delvaux, puisqu'il n'est pas toujours nécessaire de savoir qui est. Enfin, ce qu'on veut, c'est qu'on peut très bien laisser le peintre et permettre au récit qu'on puisse comprendre le récit sans savoir exactement qui est Paul Delvaux. Donc, dans ce cas précis, on dit que c'est un peintre, voilà. Et le roman peut être compris sans qu'on sache exactement qui est Paul Delvaux. Au contraire, ça va peut-être amener certains lecteurs à se dire, tiens, ce peintre existe, j'irai bien voir ce qu'il fait. Mais donc, quand il y a des référents culturels, on organise le contexte, on travaille avec l'écrivain pour que le contexte soit organisé, pour que le lecteur qui aura le roman entre les mains puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est un exemple. Alors, l'autre petit, c'est arrivé sur deux romans également. On a utilisé des petits subterfuges. Quand, par exemple, l'histoire, ici, par exemple, pour Histoire ordinaire, c'est un roman dont on peut dire qu'il est un peu plus philosophique, entre guillemets, et quand l'auteur l'a renvoyé vers les apprenants, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'en fait, l'histoire à la base, c'est un dialogue entre un maître et son chat, et les apprenants avaient du mal à s'imaginer un chat qui parle. Après avoir testé, travaillé, pour voir un petit peu comment on pourrait amener les personnes à comprendre la manière dont le roman était articulé, on en est venu à l'idée d'utiliser une petite patte chaque fois que le chat parlait et une petite tête quand c'était l'humain. Je ne sais pas si vous voyez ces petites pattes et ces petites têtes. Et donc ça permet et ça rend le livre beaucoup plus facile à lire. Un autre subterfuge qui était utilisé dans un autre roman, c'est un roman qui vient de paraître, c'est L'herbe dorée donc, de Jean-Marc Cessy. Là, dans ce cas précis, le roman a mis 4 ans avant d'aboutir parce que l'histoire, c'est un peu une fable philosophique, mais il y avait énormément de flashbacks dans cette histoire. Or, les flashbacks sont très, très difficiles à comprendre pour un lecteur adulte débutant. Et donc, il a fallu trouver le moyen d'amener les lecteurs débutants à comprendre qu'on se trouvait bien dans la tête du personnage. Parce qu'en fait, l'histoire, le fil conducteur, c'est un personnage qui marche dans la forêt et qui a une quête. Et à un certain moment, il s'assied et il réfléchit à sa vie passée. Et il fallait essayer de trouver un moyen de faire comprendre au lecteur adulte, apprenant, qu'il était bien dans que c'était bien dans son passé et que c'était pas à l'instant présent. Et donc, on a travaillé avec les apprenants pour voir, comment est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est eux qui sont venus avec l'idée de cette petite tête, un peu particulière. Et donc là, une fois qu'on a eu ce projet-là, on l'a retesté avec d'autres groupes. Et donc, on a su que ça pouvait fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment ou c'est clair? Faut pas hésiter, hein, parce que moi, comme je suis devant mon diaporama, je ne vois pas le groupe. Pour le moment, pas de questions. D'accord, tout est bien clair. Est-ce que personne... Donc ça, c'était un petit peu les spécificités graphiques de notre collection. Alors, maintenant, on va peut-être parler du contenu. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, et ce matin, vous avez pu vous rendre compte, donc je pense que la vidéo Françoise a projeté une vidéo de la collection, on voit des apprenants qui s'expriment et qui expliquent ce qu'est la traversée et comment ils sont devenus lecteurs. La demande donc, de la collection est venue d'eux, mais le processus qui est en place
pour pouvoir arriver au manuscrit final. C'est tout un processus qui est long, qui varie entre un an et demi et 4 ans, ça c'est le maximum. En moyenne, pour qu'un roman aboutisse, il faut compter 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais jusqu'à 4 ans, mais ça c'est un petit peu l'exception. En fait, donc là je vais plutôt m'attarder sur le processus participatif apprenant à partir du moment où on décide de travailler. Donc en fait, ça c'est moi qui suis chargée de contacter les auteurs, ou bien parfois c'est les maintenant comme on est connu, il y a des auteurs qui viennent vers nous. La première chose qu'on demande à un auteur qui s'engage avec nous, c'est d'aller à la rencontre d'un groupe d'apprenants. Donc nous, on lance un appel à tous les groupes d'apprenants en formation à lire écrire Luxembourg, mais également maintenant partout dans la partie francophone du pays, puisque avec les années, on s'est fait tout un réseau. Et quand un formateur se dit, mon groupe pourrait être intéressé d'être le groupe référent, donc il y a un premier travail qui s'opère. Donc là, il y a l'écrivain qui va à la rencontre de ce groupe et il y a toute une animation, en moyenne ça dure une matinée, où on travaille le rapport à la lecture, le rapport à la littérature, le rapport à l'écrit. Et donc l'auteur vient dans le groupe. Et il y a tout un échange, un débat qui se fait. Et donc là, nous, on trouve que c'est vraiment essentiel parce que comme ça, ça permet aussi à l'écrivain de se rendre compte du public ciblé par le roman pour lequel il s'est engagé à travailler avec nous. Et donc, c'est vraiment un échange qui est à la fois convivial, mais aussi très éclairant pour l'auteur. Et donc, une fois que cette animation, elle se construit à la fois avec le formateur qui revient avec les demandes des apprenants, avec l'écrivain et moi-même, et ensemble, on construit l'animation. Une fois que l'animation se passe, l'auteur se dit, je suis d'accord de participer au projet. Là, il est aussi possible que l'auteur se retire à n'importe quel moment du processus, si à un moment donné, pour lui, c'est plus possible. Mais ça n'est arrivé que 2 fois depuis le début du projet. Donc, une fois que l'auteur décide de s'engager avec nous, il a le choix. Donc, au niveau de l'histoire, il est vraiment libre d'écrire ce qu'il a envie. Donc, il n'y a pas du tout de censure. Il y a juste des balises qu'on lui propose. Comme je vous expliquais, donc sur la forme graphique, des chapitres courts, des phrases au présent. Enfin voilà, donc on a élaboré un guide au fur et à mesure des années, et on lui explique un petit peu, les balises qu'il conviendrait de respecter. Par contre, au niveau du contenu, il n'y a pas du tout de censure. Il n'y a même pas de censure d'un point de vue général. C'est juste au niveau de la mise en forme qu'on a quelques balises qu'on souhaite mettre en place. Alors, soit l'auteur décide d'écrire le manuscrit seul, parce que y a des écrivains qui préfèrent écrire seul dans leur chambre ou dans leur bureau, ou alors, il écrit son manuscrit dans son coin, on va dire, ou bien alors, c'est le cas, par exemple, de Geneviève Damas, qui écrit Monsieur André. Elle a préféré avoir gardé du lien avec le groupe référent pendant le processus d'écriture. Donc, elle écrivait 2-3 chapitres et puis elle revenait vers le groupe référent. Ils le lisaient ensemble et puis alors, elle repartait écrire quelques chapitres et puis elle revenait. Donc, il y a eu tout un des allers-retours comme ça, le temps de l'écriture du manuscrit. Alors, une fois que cette étape est franchie, donc que le manuscrit est finalisé, c'est seulement à partir de ce moment-là que le manuscrit va partir dans ce qu'on appelle les relectures critiques. Donc, moi, l'auteur, alors, m'envoie le manuscrit. Je lance un appel à toutes les antennes de lire et écrire. Et maintenant, on a aussi des organismes d'alphabétisation qui font partie de lire et écrire, mais qui font partie prenante du projet aussi parce qu'ils font des relectures critiques. Et donc, je lance un appel aux formateurs qui pensent qu'ils pourraient être intéressés par une relecture critique avec leur groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces relectures critiques? J'envoie le manuscrit, le formateur travaille avec son groupe et ensemble, le but, c'est de lever les freins à la lecture et à l'écriture. Donc,
La mission des apprenants, c'est de voir ce qui est difficile dans le texte. Parce qu'au fil des ans, on constate qu'il y a des mots de vocabulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a parfois des images qui ne sont pas très, qui sont toujours difficiles à construire, à comprendre. Donc, il y a aussi tout ce qui touche au dialogue. Enfin, il y a vraiment toutes des difficultés que les groupes qui sont au travail vont pouvoir déterminer. Et ils vont rassembler, donc tout le groupe lit avec le formateur, ils identifient le frein. En moyenne, il y a par étape de relecture critique, il y a 6 groupes différents. Mais avec donc notre volonté, c'est vraiment de travailler avec des groupes de personnes analphabètes qui sont en formation. C'est pas du français langue étrangère, ce sont vraiment des personnes analphabètes. Ça, c'est notre volonté de départ. Et donc, une fois que ces 6 groupes d'une dizaine de personnes ont identifié les freins, ils me les renvoient. Moi, je les annote au manuscrit et je les renvoie vers l'auteur. Alors, il y a souvent un dialogue avec l'auteur, un échange qui se fait avec l'auteur. Parfois, l'auteur ne comprend pas certaines critiques. On peut organiser aussi des retours dans l'un ou l'autre groupe. Donc, là, c'est vraiment au cas par cas que ça fonctionne. Quand cette première lecture, cette première étape est franchie, l'écrivain retravaille le manuscrit et puis il me le renvoie. Et puis, donc, moi, je le soumets à 6 autres groupes mais qui ne sont pas ceux qui l'ont lu dans un premier temps. Et donc, on fait un nombre d'étapes de relecture critique aussi nombreux que nécessaire. En moyenne, il faut compter entre 3-4 étapes de relecture critique avec chaque fois 6 groupes différents pour arriver à un manuscrit final, on va dire. Une fois qu'on sent qu'il n'y a plus du tout de frein, que vraiment la lecture est fluide, que les mots de vocabulaire sont bien compris, que les images aussi sont bien comprises, enfin, voilà, toutes les choses difficiles sont bien comprises, ou bien ben voilà, le passage d'un chapitre à l'autre sont bien comprises. Alors à ce moment-là, j'organise une relecture orale, ça c'est plus au niveau de tout ce qui est la lecture plaisir. Donc là, je relance de nouveau un appel, y a un groupe qui me répond, mais ça doit être un groupe aussi qui n'a jamais lu le manuscrit. Et là, ensemble, on relit pour voir si tout est bien compris, si les apprenants ont bien compris. Et alors, une fois que cette étape-là est franchie, donc là, ici, donc, je vais mettre là, ça, c'est toutes les étapes. Une fois que tout ça est bien fluide, alors à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la mise en page graphique. Donc, on fait une relecture, alors à ce moment-là, avec Rita Simon et moi-même, on fait un échange. Puis, une fois qu'on est d'accord sur l'ensemble, on envoie ça à notre coéditeur Olivier Wehrich. Lui, il se charge de la mise en page. Comme il est là depuis le début, là aussi, eux aussi ont un savoir-faire par rapport à cette mise en page. Et alors, on refait les dernières relectures par rapport pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de césure, pour bien s'assurer qu'il n'y a On essaie évidemment de ne pas avoir de coquilles, mais on essaie d'avoir tout ça, que chaque page soit bien équilibrée pour pouvoir de nouveau, comme je disais tout à l'heure, permettre au lecteur débutant de se sentir en sécurité dans l'histoire qu'il est en train de lire. Donc ça, c'est vraiment toute la mise en page. C'est vraiment tout le processus qui est mis à l'œuvre avant que le roman ne soit finalement édité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce processus? Est-ce que c'est clair? Je ne vois pas de main. Ah si, Corinne? Oui, moi je me posais la question parce que ça a l'air d'un travail très très long. Il y a plusieurs étapes. Oui. Et combien de temps faut-il à peu près entre la remise d'un manuscrit et sa publication? Comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on contacte l'auteur jusqu'au moment où le roman est diffusé, on va dire, ou plutôt est imprimé, il faut compter en moyenne un an et demi. D'accord. Mais alors, le dernier roman qui est sorti, donc c'était L'herbe dorée, comme là l'histoire était plus complexe, il y a eu beaucoup plus de travail, il a fallu vraiment plus travailler, et là on a mis 4 ans. Mm-hmm. Oui, effectivement. Oui. Parce que, évidemment,
on veut vraiment être sûr que tout est bien compris, enfin voilà, et on trouve important pour nous on estime que quelque part les apprenants ils sont comme ils sont experts des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, bien on estime que le travail qu'ils font sur le manuscrit, c'est un véritable travail. Donc, c'est pour nous, chaque roman, c'est une co-construction entre des groupes d'apprenants et l'écrivain qui s'engage dans le projet. D'accord, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y a pas d'autres questions ou... Alors, on pourrait peut-être se demander aussi, que pensent les écrivains de ce travail ? Ça les remet aussi parfois profondément en question, parce que c'est pas évident, en fait, mais ils en gardent un souvenir souvent très fort. Et d'ailleurs, on a énormément de contacts, et les contacts se poursuivent toujours avec la majorité des écrivains qui se sont engagés avec nous. Ici, j'ai repris deux témoignages de deux auteurs qui ont été parmi les premiers à s'engager. Donc, il y avait Xavier Deutsch d'abord ici, mais je vais le lire avec vous. Et puis, je mettrai l'autre aussi, mais je vous explique. Xavier Deutsch, en fait, c'est le premier écrivain qui s'est engagé au tout début du projet. Donc, on peut dire qu'il a un peu essuyé les plâtres. Et l'expérience a été tellement forte pour lui qu'il nous a resollicité, l'année dernière, ou il y a déjà une bonne année maintenant, pour voir, il avait envie de réécrire un deuxième roman dans notre collection. Et donc, son premier roman, c'était Sans dire un mot. Et ici, donc, il y a un deuxième manuscrit qui est en cours de relecture critique et qui devrait sortir cette année. Et en fait, je vais lire tout ce qu'il a, comment il témoigne de ça et des difficultés qu'il a rencontrées dans son travail avec nous. Je le cite. « Écrire un vrai roman pour adultes en recourant à la phrase courte et aux mots clairs était un exercice qui, sur le plan de ma propre pratique, me tentait. Le travail d'écriture lui-même m'a confronté à des difficultés que je n'imaginais pas et qui m'ont passionné. Il a fallu que je plie mon vocabulaire et mes phrases à une sobriété très inhabituelle pour moi, que je m'astreigne à écrire de façon très simple, sans verser dans un infantilisme creux. L'équation qu'il fallait résoudre s'est révélée très éclairante. Il fallait retrouver une ligne claire tout en gardant un récit aussi puissant et fin que possible. » Donc ça, c'est un premier témoignage. Et Claude Rossi, donc lui, il a déjà écrit donc Les cerises de Salomon pour la collection, et il s'est engagé plus ou moins au même moment que Xavier Deutsch pour écrire un deuxième manuscrit, et donc là qui va sortir aussi cette année, c'est les deux romans qui vont sortir cette année. Et lui dit je n'ai jamais vraiment regretté le oui du départ, mais je n'imaginais pas une seconde la somme de travail que cela représentait. Comment aurais-je pu savoir, si les apprenants ne me l'avaient pas dit, qu'un mot coupé en fin de ligne était un piège, qu'une métaphore enrichit un texte, mais que trop d'images l'embrouillent et qu'il faut réserver la hardiesse au héros plutôt qu'à elle. Et donc, ces deux témoignages de deux auteurs, on en a vraiment encore d'autres, parce qu'il y a vraiment une relation forte qui se tisse entre l'écrivain et les apprenants. Et il y a vraiment de belles choses qui se passent. On peut dire que chaque roman, c'est une histoire à part entière et ça touche les écrivains, je pense, qui participent à ce projet parce qu'on a vraiment on garde à chaque fois de très, très bons contacts avec eux quand on a besoin de les solliciter pour tel ou tel projet. On peut le faire assez facilement. C'est difficile à expliquer de manière concrète, mais il y a vraiment un lien qui se tisse entre la collection, le travail qu'ils ont mené avec les apprenants et leur travail d'écriture. Ça les a souvent bouleversés. Et alors j'avais aussi envie de donner la parole à des apprenants. Là aussi, j'ai quelques phrases. Avec des apprenants avec qui je travaille au quotidien, mais ça je vous expliquerai. Donc c'est un projet qu'on a aussi avec la collection.
Et donc, voilà, ils ont donné quelques petits témoignages comme ça. Donc, je vais les lire. Il y a tout d'abord Céline. Donc, c'est tout des apprenants ici. Hein. Donc, avant, j'étais incapable de lire un livre en entier. Maintenant, j'y parviens et lire me procure beaucoup de plaisir. Je me sens bien quand je lis. Puis Marie-Thérèse, on s'est mis dans le livre, on s'est plongé dedans. C'est vrai qu'au début, c'est un peu bizarre, mais on veut arriver jusqu'à la fin du livre. Et ça nous a plu. On s'est senti vraiment quelqu'un. Et alors, elle, c'est vrai qu'elle est là depuis quelques années et qu'elle participe au projet avec nous depuis quelques années. Elle dit « Les livres de la traversée sont les premiers que j'ai lus. » Alors, Rudy, lui, il participe aussi au travail qu'on fait autour de la traversée, mais il a encore d'importantes difficultés en lecture. Mais il parvient déjà à lire des extraits de manière assez fluide. Et alors, ben voilà, il le dit lui-même, « Je voudrais lire les histoires de la traversée. Cela me donne envie d'apprendre à lire. » Et donc, ça le pousse, ça le booste, en fait. Alors, il y a Pascal. Donc lui, il a déjà participé aussi à plusieurs relectures critiques de romans, de manuscrits. Et il dit « J'aime beaucoup lire en groupe un livre de la traversée, ça fait des souvenirs. » Parce qu'en effet, ce qu'on constate aussi, c'est que quand le groupe fait une relecture critique, il y a des débats, puisque bah, chaque roman, il y a des thématiques. Je vous disais tout à l'heure, « Le silence de Cologne », c'est voilà, quand les Cathares ont été... n'étaient pas les bienvenus dans une ville, enfin voilà, ça c'est une histoire, mais là ça suscite des débats. On a l'écharpe rose, c'est la question de la migration, et donc quand ils font la relecture critique et qu'ils découvrent le roman, il y a aussi des débats parallèles qui s'organisent avec le formateur et qui permet le débat. Parfois, ça peut être le rire, mais des débats sur des thématiques qui sont beaucoup plus sérieuses. Et donc, voilà, Pascal, lui, ça fait des souvenirs. Et puis, alors, il y a Angèle qui fait partie des apprenants qui sont quand même, qui commencent à devenir des bons lecteurs. Elle dit « Je me sens tellement bien dans l'histoire que cela me donne envie de relire le livre plusieurs fois. » Alors, je ne sais pas si à ce stade, est-ce que vous avez des questions ou des envies de commentaires ? Oui, Aurélie, Kathleen. Oui, le commentaire que j'avais envie de faire, c'était que on sent que l'achèvement d'un livre, c'est vraiment valorisant pour ce public, pour ces publics-là, et que ça nourrit quelque chose. Ils se sentent valorisés par cette réussite, en fait. Oui. Et dans la vidéo qu'on a vue ce matin avec Françoise, c'était ressorti aussi le fait de pouvoir terminer un livre. Il y a vraiment un plaisir. Qu'il découvre, oui, parfois. Et un sentiment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment flagrant quand la personne parvient à lire un livre, un roman. En plus, voilà, ce sont des romans vraiment pour adultes avec des histoires complexes. Hein. Il y a des drames, il y a des romans policiers. Enfin voilà, ce ne sont pas des histoires simplistes. C'est vraiment parfois des situations, enfin voilà, des histoires d'adultes. On constate que pour certains, jusque-là, la lecture, ils ne s'étaient pas, on dit toujours qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Donc, ils ne s'autorisaient pas, comme ils ne savaient pas lire, pas écrire, il y a souvent une forme de honte, et ils ne s'autorisent pas à grand-chose, ils se renferment, beaucoup se renferment sur eux-mêmes. Et donc, quand ils viennent déjà franchir le pas de se dire « je vais en formation pour apprendre à lire et à écrire », c'est déjà un premier pas. Mais en plus, se dire que là, ils peuvent arriver jusqu'au bout d'un roman et qu'ils parviennent à comprendre, ils parviennent à échanger, il y a tout un débat qui s'opère, eh bien, chez certains, on voit vraiment s'opérer une transformation. Alors, ils osent plus, ils osent faire des projets. Et donc, c'est le cas notamment de tout un petit groupe, donc ici au départ de Lire, Écrire, Luxembourg, où des apprenants ont voulu aller plus loin. Il y a eu ce changement qui s'est opéré en eux, ils se sont dit, il n'y a pas que nous
chez qui ça doit s'opérer. Il faut que, ça, que tout le monde connaisse les romans pour aussi peut-être avoir les mêmes, enfin, le même changement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils ont manifesté leur envie de créer un groupe pour faire connaître les romans de la traversée. Et donc, il y a un groupe de travail avec des apprenants qui se charge de développer toute une série de projets pour faire connaître les romans de la traversée. Et donc, je ne sais pas si vous savez voir, donc ils organisent peut-être derrière moi, c'est peut-être difficile, enfin, on se réunit en moyenne une fois par mois quand c'est possible en présentiel, et on essaye de voir comment faire connaître les romans, donc, on crée des affiches, mais tout est adapté par rapport au public éloigné, pour essayer de toucher vraiment les publics qui seraient concernés par, par ces romans, en fait. Et donc, ben voilà, moi j'avais encore envie peut-être aussi de dire, ben voilà, donc la collection actuellement elle compte 27 romans. Le dernier, donc c'était L'Herbe Dorée, je vous disais, donc ça a été un processus long de 4 ans, donc on était très contents que les livres voient le jour. Et ben, cette année, donc avec le confinement, c'est, le travail est ralenti, mais on va quand même pouvoir sortir 2 romans. Et il y a encore 3 auteurs qui vont partir, mais là, c'est plutôt une première rencontre qui sera organisée d'ici la fin d'année pour que le roman puisse alors sortir fin d'année prochaine. En moyenne, donc, notre collection sort 2 romans par an au niveau de la sortie officielle. Voilà pour la présentation générale. On avait aussi envie de partager avec vous quelque chose qui est important pour nous et qu'on aime répéter, c'est que si la collection a pu toucher ce public-là, c'est vraiment, enfin ça c'est nous on en est convaincus, mais vous pouvez peut-être avoir une autre idée, donc voilà, on partage avec vous. C'est vraiment grâce à tout le travail qui a été réalisé autour de la médiation culturelle. Parce que ben, la médiation par rapport à ce projet, elle s'opère déjà lors de la première rencontre entre d'une part les apprenants, de l'autre l'écrivain. L'écrivain qui va à la rencontre d'un univers qu'il ne connaît pas forcément, il se rend compte de quelque chose qui lui est inconnu. Mais les apprenants vont aussi à la découverte d'un monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sacralisent peut-être trop. Donc, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que pour eux, le roman, c'est quelque chose de sacré. Ils ne s'autorisent pas à aller vers le livre. Et donc ça, c'est déjà une première forme de médiation. D'autre part, ce qu'on peut se rendre compte aussi, c'est avec le GT dont je viens de vous parler. Là aussi, c'est une autre forme de médiation, puisque ça, c'est un groupe de personnes qui a découvert la lecture de romans via la traversée, qui veut faire de la médiation vis-à-vis d'autres semblables à eux, ou qui pourraient être amenés à faire la même démarche qu'eux. Et puis, on se dit aussi, et là on travaille aussi cette question-là, que cette médiation, elle doit aussi pouvoir se faire au sein des bibliothèques, d'où l'intérêt de travailler avec vous et la question du facile à lire, et voir comment cette médiation peut être mise en place pour favoriser justement l'accès à ces publics-là. Parce que ce qu'on constate, nous, avec notre expérience du quotidien, c'est que même quand ils commencent à lire et qu'ils commencent même à bien lire des romans tels que ceux de la traversée, rentrer dans la bibliothèque, ça ne va pas de soi. Donc voilà, je vais arrêter le partage pour pouvoir vous revoir. Je ne sais pas si... Voilà. Alors, on a une réaction de Sophie Véron. Oui. Non ? Vous avez levé la main, c'est pour ça que... Ou alors, vous avez cliqué involontairement. Ah oui. Moi, j'ai une petite main pour Séverine Alazar. Non, je n'ai pas levé la main, ce n'est pas moi. Ah, d'accord. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça a été bien clair ou si vous avez d'autres questions. Nous, on est vraiment à la disposition de tout un chacun, donc on travaille toutes ces questions
d'accessibilité, parce qu'en Belgique, on travaille aussi avec des bibliothèques pour travailler ben voilà, cette facilité d'accès pour des publics qui en sont éloignés. Voilà, nous, on est aussi ouverts à la question du facile à lire. Et dans ce contexte-là, on mène actuellement un micro-projet avec l'ABF Lorraine en France autour de la question de l'accès de la lecture, enfin l'accès à la lecture et à la littérature pour tous les publics qui en sont éloignés. Donc ça, ça fait partie aussi des passerelles qu'on aime mettre en place entre notre projet et le projet d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à travailler avec nous ou à réfléchir avec nous sur ces questions. Je ne sais pas si j'ai été claire ou peut-être trop rapide ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres envies de partager des réflexions? Est-ce que ça vous a donné des envies de mettre en place des choses dans les bibliothèques là où il n'y avait rien? Oui, Charline Jardin. Non, c'est Nathalie, pardon. C'est pas grave du tout. Du coup, je vais me lancer. J'ai trouvé ça absolument passionnant. La réflexion, elle est poussée quand même super loin. J'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit sur les petits émoticônes, enfin, tout ce qui a été ajouté justement pour la facilité à lire. Et je me dis que dans la bibliothèque où je travaille, on est loin, très très loin de ça. Et voilà, ça donne vraiment envie d'aller découvrir votre collection, d'aller découvrir d'autres collections. Et voilà, de mettre ça en place. Mais voilà, maintenant, il faut aller travailler, il faut aller découvrir tout ça concrètement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais voilà, on est ouvert. C'est vrai que c'est tout un travail qui est assez complexe, mais au final, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de lire les romans pour se rendre compte du genre d'histoire que ça propose. Ce sont vraiment, à notre volonté, c'est vraiment de faire, bien sûr que c'est utilisé dans les formations, mais notre envie, et ce qui nous guide, c'est vraiment de proposer de la vraie littérature. Nous, notre formule, on dit toujours, ce sont des romans simples, mais pas simplistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de proposer de la littérature accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, quand on sélectionne les écrivains, c'est des écrivains qui sont déjà reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Certains sont déjà aussi publiés aussi en France. Mais c'est vraiment de travailler avec des professionnels qui ont une écriture et ce qu'on essaye de faire, et c'est ça aussi la difficulté peut-être du travail qui est mené, parfois la longueur du processus, c'est que l'écrivain, on constate aussi qu'il essaye donc de maintenir son style, même si c'est un roman, entre guillemets, de la traversée, on constate qu'il parvient malgré tout à garder son style et à son... On le reconnaît, quoi. C'est ça que je veux dire. Si on compare ce roman dans la collection La Traversée avec d'autres romans qu'il a publiés, on sait dire que c'est le même auteur. Mais c'est complexe. C'est un travail vraiment assez complexe dans lequel l'écrivain accepte aussi de s'engager parce que ce n'est pas toujours évident pour un écrivain. Il faut que lui aussi accepte les remarques qui sont formulées par les apprenants. Donc, c'est tout un processus qui prend du temps. Oui, Nathalie. Mais du coup, ce que j'entends surtout dans tout ce que vous dites, c'est quand même la notion de plaisir. Oui. C'est-à-dire que même si c'est complexe et on sent qu'il y a beaucoup de travail, parce que quand j'ai vu votre tableau d'organisation, là, c'est énorme, mais que ce soit les écrivains ou les groupes de travail ou les apprenants, je ne sais plus comment vous avez dit, il y a quand même une notion de plaisir dans tout ça. Ah oui. Oui. Et parfois, c'est cette barrière qui est difficile à passer pour des populations qui n'ont pas ce plaisir de lire. Et voilà. Ce qui me touche particulièrement dans tout ce que vous dites, c'est cette notion de plaisir que vous ne citez jamais, mais qui est vraiment présente dans tout ce que vous dites, en fait.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit le mot, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette envie d'amener les personnes, ben voilà, tous les publics éloignés, parce qu'on s'est rendu compte au fil des ans aussi que ces romans ben, plaisent à d'autres publics que pour ceux pour lesquels ben voilà, ils avaient initialement été proposés. On a beaucoup de retours aussi de personnes qui sont dans les hôpitaux, enfin, qui proposent ces romans-là et qui amènent ce plaisir de la lecture, ou des personnes âgées qui adoraient lire avant mais qui ne savent plus lire des gros romans. Puis là, tout à coup, elles retrouvent ce plaisir de lire en découvrant les histoires qui sont proposées dans la collection. Mais c'est ce qui nous guide aussi pendant tout le processus. On veut que le travail qui soit fait par les groupes, c'est un travail sérieux, mais en même temps, c'est tout l'aspect, parce que nous, on travaille beaucoup le collectif. Donc, nos formations, elles se font en collectif. Donc, parce qu'on estime que le travail du groupe est important aussi, ben voilà, dans le cadre de la formation. Donc, les relectures critiques, elles s'organisent en groupe, donc avec ceux qui sont peut-être moins avancés, qui peuvent porter les plus avancés. Et donc, comme je citais tout à l'heure un apprenant, ça fait des souvenirs assez bons, parfois aussi le roman était compliqué, mais alors tous ensemble, on apprend à comprendre. C'est vraiment quelque chose qu'on garde à l'esprit, c'est de garder cette envie de proposer des romans qui suscitent le plaisir de la lecture. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des drames aussi. Hein. Dans les romans qui sont proposés, on a des histoires qui sont très belles, mais très dures. Quoi. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres envies de partage. Je ne sais pas, Stéphanie, si vous voulez. Comment Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont. Non. Oui, pas d'autres réactions. Donc, là, il nous reste une vingtaine de minutes pour réagir, en tout cas. Si oui. N'hésitez surtout pas. On est en petit coin. Si par exemple il y a des questions ou des envies de partage qui viennent aussi par la suite, hein, parce que en vidéo c'est pas toujours évident, on peut toujours me contacter, vous pouvez donner mes coordonnées, enfin nos coordonnées, on est toujours ouvert à l'échange. Donc voilà. Et si vous voulez qu'on partage sur tel ou tel. Tel roman, ou si vous vous posez des questions, je ne sais pas, s'il y en a qui ont déjà peut-être lu un roman, s'ils peuvent aussi peut-être faire des retours éventuellement pour. C'est constructif, enfin voilà, nous on est ouverts aux critiques aussi, hein, parce qu'évidemment nous on est dans ce projet et on est ouverts aussi aux critiques. Je pense qu'il y a Séverine, c'est ça, qui a levé la main, mais. C'est Corinne. Corinne. Oui, j'ai levé la main parce que j'ai lu justement hier ou avant-hier pour la formation qu'on a eue à la médiathèque départementale. J'ai lu La Grande Lessive de Corinne Jamard. Et c'est vrai que je me suis laissée embarquer dans l'histoire. Pourtant, j'adore les gros romans bien complexes et tout. Celui-là, il est très simple à suivre. Et en même temps, on a différents plans puisqu'on repart un petit peu dans le passé de l'héroïne. Ça commence par un meurtre, donc c'est un petit peu une intrigue policière, même si on connaît la criminelle dès le départ. On se demande si elle va se faire prendre ou pas. Et c'est vrai qu'on est embarqué et qu'on a un vrai intérêt. J'étais jusqu'au bout avec plaisir, quoi. Mmh. Voilà. Donc, j'ai découvert pour la première fois votre maison d'édition de cette façon. Ah oui, ce que je peux peut-être expliquer, c'est aussi le partenariat, puisque nous, on travaille, donc moi je travaille pour Lire et Écrire, qui est une ASBL, et on a vraiment toute autonomie par rapport à tout ce qui concerne le processus même de la création du roman, du choix de l'auteur jusqu'au moment où le manuscrit est finalisé. Et on travaille, donc nous on est co-éditeur, donc nous on est responsable de cette partie-là. Et on s'est associé, puisque nous, notre fonction, ce n'est pas de commencer à les distribuer les livres partout.
Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé à Wirish Edition, donc, qui est notre coéditeur, qui se charge alors de la diffusion des romans et alors de tout ce qui est l'aspect plus commercial des choses. Mmh. Et donc, en fait, il y a différents genres. On peut trouver aussi bien de la science-fiction, du fantastique. Oui, il y a un roman fantastique pour le moment. Mais ça s'est fait un peu aussi par hasard, parce que c'est au fur et à mesure des années que chaque auteur, chaque écrivain a son style, ses envies de raconter. On laisse le champ ouvert à toute leur créativité et à toutes leurs envies. Et donc, c'est vrai qu'on a des romans qui font du bien, mais qui font réfléchir. À côté de ça, on a des romans, des drames. On a un bel roman historique dont je vous parlais tout à l'heure, Le silence de Pologne. Dans les romans qui vont sortir, il y a un roman d'anticipation et un roman aussi d'une belle rencontre. Et bien, j'en profite aussi, peut-être certains d'entre vous ont peut-être à vous poser aussi des questions. Rita Simon est venue me rejoindre. Donc, Rita, elle est à l'origine du projet et donc c'est la directrice de Lire et Écrire. On ne la voit pas du tout. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? On vous voit. Voilà. Donc, si certains d'entre vous avaient des questions à poser ou des envies de partage, parce qu'on est en train de terminer tout doucement. Oui, oui. Merci. N'hésitez pas. J'avais vu aussi Séverine à Lazare qui avait mis une petite main, mais c'était peut-être aussi... Non, je n'avais pas demandé à parler. Mais effectivement, ce que je trouve vraiment appréciable dans la collection que vous proposez, c'est l'idée de la collaboration. Je ne m'étais pas du tout attendue à ce qu'il y ait vraiment cette collaboration entre apprenants et auteurs, et c'est vraiment pertinent. Hein. Mm-hmm. Oui, comme je disais, c'est vraiment une co-construction. Pour nous, les apprenants sont des experts, en fait, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent dire quels sont les freins qu'ils vont rencontrer. Si nous, on a des exemples assez concrets, je vais aussi mettre mon masque. Il y a parfois des mots de vocabulaire qu'on pense qu'ils ne vont pas être compris. Et en fait, tous les groupes vont les comprendre. Par contre, il y a des mots où on pense que ça va être quelque chose de très simple et que tout le monde va comprendre. Il n'y a personne qui le comprend. C'est vraiment interpellant, enfin, voilà, de voir à quel point nos certitudes deviennent des incertitudes, en fait. Il y a Charline Jardin, c'est ça? Je vois qu'il y a une petite main. Je ne sais pas où en fait, je crois que c'est la personne d'à côté, moi aussi, tout à l'heure. Oui, qui n'a pas réagi sa main. Elle a déjà réagi, c'est peut-être tout à l'heure. Oui. Oui, voilà. Okay. Voilà. Comme je disais, on est à votre disposition. Si dans le processus quand vous êtes en pleine réflexion, dans votre aménagement d'espace facile à lire ou que vous avez envie d'échanger avec nous, on est disponible. Et puis alors, peut-être qu'on va clôturer ici s'il n'y a plus d'autres réactions. Et je rappelle aussi que il y a Charline Jardin pour le coup, cette fois-ci, oui. Ah ben oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a un nombre de pages minimum dans les romans ou pas? Vous avez une longueur spécifique? En moyenne, ils font 80 000 signes. Ça, oui. C'était aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les balises qui sont faites, qu'on donne un peu aux écrivains. On essaie que ça ne dépasse pas 80 000 signes. D'accord. Donc, maximum une centaine de pages, mais vous avez vu tout à l'heure, ce sont des pages vraiment très aérées. Et donc voilà, on essaie que ça ne dépasse pas ce format-là. D'accord, merci. C'est déjà en travail depuis ce matin, en fait. Oui.
S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Ah, Madame Kingland. Oui, en fait, je me demandais, parce que je me suis promenée un peu sur le site web de la collection, et j'ai remarqué que quand on regardait les titres, il y avait la possibilité d'écouter le résumé. Je me demandais s'il y avait peut-être un projet de créer une collection de livres audio. Est-ce qu'il y a une réflexion autour du livre lu ou pas du tout Alors... Une réflexion, oui, il y en a une, avec la complexité que nous souhaitons poursuivre dans le processus participatif apprenant qui est vraiment à l'origine de toute la collection La Traversée. Et on veut donc poursuivre un travail qui associe étroitement les lecteurs auxquels s'adresse potentiellement la collection et des partenaires qui ont une expertise en la matière. Et donc, il est clair que ici, en travaillant cette dimension-là, on sort quelque peu du cadre strict de l'ASBL lire-écrire, dont la finalité est le droit à l'alphabétisation pour tous. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore eu la possibilité d'aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité sur ces questions-là. Mais il y a déjà eu l'une ou l'autre initiative qui ont été prises spontanément par des auteurs, notamment Colette Nismazur, qui a lu son ouvrage au niveau de l'organisation, l'œuvre nationale des aveugles, en Belgique, et je pense qu'il y en avait un autre. Il y a Georges Ognaud, Les Chapeaux Rouges. Voilà, Les Chapeaux Rouges, très bien. Voilà. Voilà. Oui. Donc, il y a des expériences qui ont déjà été menées, mais il n'y a pas encore eu une démarche, je veux dire, systématique. Et alors, il y a aussi, peut-être on peut relever aussi la démarche de la lecture spectacle de Geneviève Damas. Donc, Monsieur André, sur le roman Monsieur André, donc l'auteur Geneviève Damas, elle, comme je vous disais tout à l'heure, elle a fait beaucoup d'allers-retours avec son groupe pour chaque fois qu'elle écrivait 2-3 chapitres, elle retournait vers son groupe. Et elle a aussi été plus loin. Elle a créé avec un accordéoniste assez connu, diatonique de chez nous, Didier Lalois. Ils ont mis en lecture, donc ils ont créé une lecture spectacle au départ du roman. Et donc, ils ont déjà eu l'occasion de proposer ça à différents endroits. Et donc, ça permet aussi de percevoir le roman d'une autre manière. Et d'entrer vraiment différemment. Oui. Parce qu'on a aussi été avec des groupes d'apprenants qui n'avaient jamais lu ce roman et d'autres qui l'avaient lu, pour voir un petit peu ce que ça pouvait avoir comme impact. Et ça a vraiment bien plu. Hein, oui, et ça permet aussi de jeter des ponts d'une autre manière, puisque les expressions ont pu se faire au niveau des centres culturels, et donc ça a permis aussi à certains apprenants de fréquenter pour la première fois un centre culturel et de prendre part à un spectacle. Oui. Donc, on essaie vraiment, dans le cadre de la collection, de décloisonner au maximum et de permettre de l'utiliser comme un objet, à un moment donné, de médiation culturelle. Oui, il y a parfois comme ça, un des auteurs ou des écrivains qui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toute une série de projets qui se mettent en place avec le livre, des apprenants, des groupes, et ça sort vraiment du cadre simplement de l'écrivain qui écrit un roman pour une collection et puis ça s'arrête là. Ici, il y a vraiment toute une série de projets, il y a une vie. Oui. Chaque livre a une existence. Oui, il poursuit son cheminement quelque part. Oui. Et pas uniquement par le biais de la lecture, mais aussi par le biais du développement de toute une série d'expressions et d'expressions créatrices. Oui. Il y a Nathalie aussi, je crois, qui voulait prendre la parole. Nathalie ? Non, je n'avais pas levé la main. Mais... Ah, il y a une petite main. Merci. Je vais peut-être
faut peut-être décocher. Je sais pas. Oui, tu as peut-être oublié de l'enlever. Non, mais je vais juste te remercier parce que voilà, de partager cette expérience, c'est vraiment très, très, très intéressant et ça nous donne envie voilà, d'aller découvrir la collection et de mettre enfin tout ça en place dans nos bibliothèques. Merci beaucoup. Mais si vous passez la frontière, là on peut vous lancer une petite invitation. on veut y croire, on veut y croire, mais si vous avez envie de franchir la frontière, enfin que les frontières rouvrent au début du mois de juin et que vous avez envie de découvrir un beau cadre en Belgique, on va faire. Il y a une exposition autour des romans de la traversée, de toutes les pratiques qui ont été mises en place artistiques ou autres. Et ça se déroulera normalement, les 15 premiers jours du mois de juin à l'abbaye d'Orval. Voilà, ceux qui aiment déguster une bière belge. voilà. Et Orval, pour ceux qui ne s'y situeraient pas, c'est à la frontière belgo-française, c'est juste à côté d'Aviot. Voilà. Merci pour l'invitation, en tout cas. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez nous envoyer un petit message et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on vous fera visiter le projet. Je pense que, oui, on peut clôturer là, je ne sais pas. Oui. Oui, je pense aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous toutes, parce que je pense qu'il n'y a pas d'hommes, pour votre participation et votre attention. Et je rappelle juste que dans les prochains jours, vous pourrez retrouver en ligne sur notre site internet, donc sur le site de Normandie Livre et Lecture, tout le contenu de la journée. N'hésitez pas vraiment à nous contacter pour toute question, sans problème. Merci. Une idée de partenariat. Aussi. Voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.